Pourquoi les bodybuilders pros de Spy Fair Fame et leurs prouesses physiques se sont-ils souvent fauchés? S'agit-il d'un style de vie extravagant, ou est-ce que nous nous dirigeons vers cette profession de haute intensité que nous, en tant qu'étrangers, ne voyons pas? Si quelqu'un qui consacre chaque heure de son temps à sculpter son corps à la perfection, à se produire sur les scènes mondiales et à inspirer des millions de personnes, devrait nager dans le bien-être, la réalité serait pourtant bien différente. De nombreux bodybuildés à succès sont confrontés à des problèmes financiers, et aujourd'hui nous en examinons la raison. Prenons le cas de Ronnie Coleman, 8 fois Mister Olympia winner, qui a dû subir une opération chirurgicale pour numériser des centaines de milliers de dollars d'eau à Angery Sistin pendant son courrier. Aucune compagnie d'assurance ne couvrirait un bodybuildé professionnel, ce qui lui permettrait de payer la note. Ensuite, il y a Lee Priest, un culturiste australien renommé qui conteste avoir réussi un terrain de course pour un bilan en 2009 tête et dépensé des sommes exorbitantes dans le monde en supplément. L'adhésion à gym, les régimes alimentaires des entraîneurs personnels et d'autres aspects de ce programme de remise en forme révèlent le coût caché de cette profession, considère Guy Green. L'un des bodybuildés les plus populaires de cette époque, son succès témoigne ouvertement de ses difficultés financières. Il jeûnait particulièrement tôt le matin. Le coût élevé d'aujourd'hui est le physique et l'informatique au plus haut niveau. Les revenus de Wade ont conduit à des années d'instabilité financière, mais ce n'est pas seulement le coût de l'entretien de son corps qui pèse sur les bodybuildés de grande taille, ils sont également confrontés à un manque de revenus stables. Contrairement au sport traditionnel, où les athlètes signent des contrats de plusieurs millions de dollars, les culturistes dépendent principalement de la compétition, des gains, des parrainages et de l'entraînement personnel comme principal. Source de revenus. Le considère Philes, 7 fois vainqueur de Mister Olympia, conteste le succès à Skokane sur la volatilité des revenus dans les compétitions de bodybuilding. Les gains peuvent être très importants et les parrainages sont étroitement liés à la performance et à la valeur marchande, ce qui entraîne des revenus imprévisibles et insuffisants. Pourquoi les bodybuildés professionnels sont-ils fauchés? La réponse réside dans l'impact et le COS de la perfection, le coût élevé du maintien là-bas, le manque d'assurance et la nature volatile des revenus. C'est un métier qui demande un immense dévouement et des sacrifices, non seulement physiques, mais aussi financiers, comme tout autre sport professionnel, qui est une course à haut risque. C'est un témoignage de la passion et du dévouement de ces athlètes qui l'ont choisi de poursuivre dans cette voie malgré leur cœur financier. Cela pourrait nous rappeler brutalement que le succès ne se mesure pas toujours en termes de richesse et que derrière le faste et le glamour du sport professionnel se cache une réalité plus sombre.